Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour les messages et la guidance intemporelle de ce jeudi 28 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, pensée positive de ce 28 novembre, reconnaître un ami. Ne pas chercher l'amitié de ceux qui ne nous méritent pas. Un ami qui n'écoute pas, ne partage pas, ne donne pas ou n'est pas là en cas de besoin n'est pas digne d'être un ami. À méditer. Aujourd'hui, j'ai pigé la sagesse. Ah, j'adore ce mot-là. J'adore parce qu'avec la sagesse... on a beaucoup plus de compréhension. L'ego est carrément mis de côté avec cette belle sagesse lorsqu'on l'acquiert. Hein. Et on l'a toutes et tous en nous, cette sagesse. Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création, tout entière ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Cette belle fleur de vie, transforme désormais en énergie de la sagesse tout ce que tu as appris tout au long du voyage de ta vie. C'est ainsi que tu accèdes dans le même temps à la sagesse de tout l'univers ainsi qu'à la source de connaissances profondes en toi-même. À présent, l'accès à la sagesse de tous les êtres célestes t'est accordé. Oui, elle t'est accordée. Cette connaissance constitue un cadeau pour toi, car la sagesse ne peut être obtenue autrement. Les mondes célestes nous font une grâce lorsqu'ils nous concèdent cette énergie. Les connaissances du monde d'ici-bas, ainsi que celles de tous les univers, sont attachées à ce cadeau. Et la fleur de vie, elle te révèle la sagesse inhérente à la géométrie sacrée. Cette belle énergie, elle se répand en toi, à la manière d'une lumière dorée. Elle imprègne toutes tes cellules et elle te fait rayonner. Alors maintenant, le défi pour certains d'entre vous. Est-il possible que tu n'aies pas encore compris que tu ne peux rien faire pour parvenir à la sagesse ? Le savoir s'apprend, n'est-ce pas? Mais la sagesse est un don du ciel. Grâce, à cette fleur de vie. Pour certains d'entre vous, tu peux t'immerger de plus en plus profondément dans l'énergie de la sagesse. Et c'est ainsi que tu rencontreras cette étoile. Cette étoile qui te met en relation avec ta belle sagesse intérieure au centre de la fleur de vie, de même qu'en ton fort intérieur. Alors, la sérénité, la paix, la confiance, la compassion, la tolérance, mais aussi l'amour sont quelques-unes de ces énergies que le don de la sagesse permet de développer en nous. Wow! Quelle belle guidance, n'est-ce pas? Waouh, la sagesse! Et oui, ça réunit beaucoup de choses. On réunit beaucoup de choses avec la sagesse. Hein? L'ego, il est vraiment mis de côté. Lorsqu'on a cette belle sagesse, on a le pouvoir sur l'ego. Allez, je termine avec fleur de vie. Message de ton âme. Alors, se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Pardon, ça veut dire que vous êtes peut-être dans une thématique où il y a une personne ou une situation, n'est-ce pas, qui vous tire vers le bas. Donc c'est vraiment à exclure de son champ de vision, hein, que ça soit la personne, une situation, faire en sorte, hein, de se défaire, hein, de cette personne ou de cette situation, et peut-être faire un lâcher prise, laisser partir, hein. Si c'est maintenant dans le milieu sentimental, eh bien, oui, ça va peut-être faire mal de prendre cette décision, mais ça sera salutaire. Si cette personne, elle vous tire vers le bas, comment voulez-vous être heureux, heureuse? Ce n'est pas possible. Donc, voilà, vous avez encore le libre arbitre, n'est-ce pas? Vous êtes le capitaine de votre vaisseau, et votre vaisseau, c'est vous, c'est votre corps, l'esprit, voilà. Vous avez le libre arbitre. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, et puis on va se retrouver demain pour, eh bien, le dernier message de la semaine, mais pas que. Ça sera le dernier message de ce mois de novembre, donc ce mois de novembre qui a passé aussi très très vite, n'est-ce pas? Alors n'oubliez pas, petit pouce, ça permet à l'algorithme de référencier ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude, et moi je vous dis à demain, et d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous embrasse, à demain.